¿Cómo presentarse en francés? ¿Cómo se présenter en français? ¿Sabes elegir entre tú y usted cuando te presentas en francés? ¿Sabes si hay que dar la mano o dar un beso? ¿Sabes cuándo se hace eso? Es lo que te voy a aclarar hoy. Bonjour, je suis Anne Castelot, soy francesa y llevo 10 años dando clases de francés aquí en España, principalmente a universitarios y adultos. Si quieres conocerme mejor, me encontrarás en mi blog, moncoindefrance.com, que significa mi rincón de Francia. También me puedes encontrar en mi página de Facebook, Comunica en francés avec Anne, donde tienes un montón de contenidos diarios en francés. Además, si quieres recibir gratis mi pack, ¿Cómo mejorar tu pronunciación del francés con un simple smartphone? Aquí tienes el enlace que te llevará a la página de inicio de mi blog, donde encontrarás un formulario para descargarlo. Cuando queremos presentarnos, existen ciertas reglas que hay que respetar y que son distintas de un país a otro. Primero tenemos que elegir entre el tú y el usted, entre le tu y le vous, le tutoiement o le vouvoiement. Las costumbres francesas son distintas de las españolas y del empleo de usted o ustedes en América Latina o del vos de los argentinos. El otro problema es saber si hay que dar un beso o si hay que estrechar la mano, porque aunque los españoles siempre dicen que los franceses estamos dando besos todo el día, no es así. Y en realidad, en el ámbito profesional, por ejemplo, damos bastante menos que en España. Así que veamos cuáles son las costumbres francesas. A continuación, me escucharás hablar en francés, pero no te preocupes, si haces clic en el enlace aquí, podrás descargarte el texto en PDF. También puedes leer mi artículo Presentación en francés, costumbres, que viene en los dos idiomas en mi blog. Comment se présenter en français? Tout d'abord, nous allons voir le tutoiement lorsque l'on dit tu. On se dit tu en famille. Tout le monde se tutoie dans la famille. Il y a une seule exception. Quand je fais la connaissance des parents de mon conjoint, de mes beaux-parents, si je suis mariée, je les vouvoie. Ce sont eux qui doivent me permettre de les tutoyer. Et s'ils ne le font pas, je continuerai à les vouvoyer. On se dit tu entre amis. C'est évident, on se tutoie entre amis. On se dit tu entre collègues qui se connaissent déjà. Dans certaines professions, comme dans l'enseignement par exemple, on se tutoie entre collègues même sans se connaître. Mais normalement, lorsque l'on ne se connaît pas, on se vouvoie. Par la suite, entre collègues du même niveau hiérarchique, en général, on se tutoie. Tout dépend de l'ambiance et des habitudes de l'entreprise. Enfin, entre élèves, on se tutoie. On tutoie ces personnes-là, donc, mais on leur serre la main ou on leur fait la bise? En général, les femmes font la bise aux hommes et aux femmes. Les hommes font la bise aux femmes et serrent la main aux hommes. Mais il y a des exceptions. En famille, on se fait tous la bise pour se saluer et pour dire au revoir, hommes et femmes. Quand il s'agit de la belle famille, même si elle vouvoie ses beaux-parents, une femme leur fera la bise. Un homme serrera la main aux hommes de sa belle famille au début et fera la bise aux femmes. C'est quand ils se connaîtront mieux et qu'il sera considéré comme un membre de la famille qu'ils se feront la bise. Voyons maintenant quelles sont les personnes ou les circonstances dans lesquelles on doit vouvoyer. Une première recommandation. Dans le doute, vous voyez. Normalement, au travail, on se vouvoie. J'ai dit qu'entre collègues du même niveau, on se tutoie, mais quand on se connaît déjà. Tout dépend de l'ambiance et des habitudes de l'entreprise. Mais d'une manière générale, dans les relations professionnelles, on se vouvoie. Lors de réunions officielles, que ce soit au travail, dans une institution, dans une association, etc., on vouvoie tout le monde. Dans un magasin,
On vous voit la caissière, le vendeur, tout le personnel, indépendamment de son âge. Dans un lieu public, la mairie, un hôpital, un hôtel, à l'université, etc., on vous voit tout le monde. Et enfin, je n'ai pas mis l'image ici, mais si on croise un voisin que l'on connaît peu, on va le vouvoyer. Mais alors, doit-on serrer la main à toutes ces personnes-là? La réponse est oui. Alors, bien évidemment, il y a des circonstances dans lesquelles on ne va ni serrer la main, ni faire la bise. Dans les magasins, dans les lieux publics, en croisant le voisin dans l'escalier, à moins qu'on s'arrête pour parler. Mais on n'a pas besoin de serrer la main. En revanche, si nous allons à l'agence immobilière, chez le médecin, chez l'architecte, chez l'agent d'assurance, etc. Bref, lorsque la relation professionnelle est avec un seul individu, on a l'habitude de serrer la main pour saluer et prendre congé. Maintenant, faisons un petit exercice. Comment saluer quand tu rencontres ta voisine, Madame Martin, dans l'escalier? Tu rencontres ton amie Marie-Claire dans la rue. On te présente Paul Dupont au bureau. Tu salues la caissière du supermarché. Tu demandes un renseignement à la mairie. Tu rencontres un enfant dans le parc. Tu arrives chez ton frère. Tu arrives au travail et tu salues Vincent, ton collègue et ami. Ton beau-frère arrive à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Tu es étudiant Erasmus. Tu te présentes au professeur qui a 25 ans. Alors, mets la vidéo en pause et essaie de faire ce petit exercice en te demandant si tu dois dire « tu » ou « vous », si tu dois serrer la main, si tu dois faire la bise ou rien du tout. Je t'attends et quand tu seras prêt, tu remets la vidéo en marche. On va voir maintenant les solutions. Alors, voyons les solutions. Comment saluer quand tu rencontres ta voisine, Madame Martin, dans l'escalier? Tu lui dis « vous » et tu lui serres la main ou pas. Tout dépend si tu vas parler avec elle ou pas. Tu rencontres ton amie Marie-Claire dans la rue. Tu lui dis « tu » et tu lui fais la bise. On te présente Paul Dupont au bureau. Vous vous dites « vous » et vous vous serrez la main. Tu salues la caissière du supermarché. Tu lui dis « vous », mais pas besoin de serrer la main. Tu demandes un renseignement à la mairie. Tu dis « vous » et pas besoin de serrer la main. Tu rencontres un enfant dans le parc. Tu dis « tu » et tu ne fais pas la bise ou tu ne serres pas la main. Tu ne le connais pas. Tu arrives chez ton frère. Tu dis « tu » et tu fais la bise. Tu arrives au travail et tu salues Vincent, ton collègue et ami. Tu dis « tu » et si tu es une femme, tu fais la bise. Si tu es un homme, tu serres la main. Ton beau-frère arrive à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Donc, vous êtes dans la même maison, la relation est déjà intime avec le beau-frère. Tu dis « tu » et tu fais la bise. Tu es étudiant Erasmus. Tu te présentes au professeur qui a 25 ans. Tu dis « vous », tu l'appelles « monsieur » et tu lui serres la main si tu vois que lui te la serre, hein, que si lui fait le geste de te donner la main. Sinon, simplement, tu te présentes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si este video te ha gustado, no olvides ponerme un me gusta. Y si piensas que puede interesar a amigos tuyos, sé generoso y compártelo. Merci y a bientôt. Au revoir.